nous live dans show carré là et nous content gain deux amis avec nous qui passent ouais nous encore finalement on a pour rendez-vous chaque année chaque septembre chaque Annick avec chef Stéphane dans carré là bonjour comment nous est on boule tout petit mais peut-être font-il approcher ou bien aller le vin sous pas problème OK on forme là yeah. Good Annick chef Stéphane dans carré là et nous là pour nous parler de et, même petit bagaille que nous avons parlé l'année passée, qui c'était une grosse compétition de cuisine et qui organisait pour inciter et plus chef amateur, c'est ça? Nous avons été amateur et professionnel. Amateur et professionnel. Deux catégories alors? Ah, ok, pardon. Amateur et professionnel pour yo et participer dans le concours. Je vais quitter nous présenter parce que ça me paraît que tout détail. Yo. Bon, et. Si va nous mettre à approcher tout, il faut que tu sois à l'aise là. En termes d'organisateur Gros Saveur, on connaît que Gros Saveur et son Kasami, c'est un partenaire Gros Saveur, s'il vous plaît, et depuis quelques années. Ça fait combien de temps Gros Saveur en passant? Oh, nous sommes 8e édition. 8e édition. So, nous très fiers de travail ça. Et l'année dernière, Kasami était lancé première édition. Concours cuisine et avec partenaire et KitchenAid. Et Bayern était tellement bien intéressant et nous avons des amateurs, nous avons un groupe d'amateurs et un groupe de professionnels qui est arrivé en finale et qui était présenté plat que tu as créé durant la soirée Village Gourmand qui est dans Gros Saveur. Donc, Nous avons deux champions, nous avons un champion amateur, nous avons un champion professionnel. Champion professionnel, c'est Sébastien Dodor, qui a né ça après un juge dans la compétition. Et nous retournons avec, bien sûr, Kasami a décidé de retourner avec et a né ça, et toujours en partenariat avec Gros Saveur. Et moi-même, comme chef qui non seulement est organisateur Gros Saveur, mais en collaboration avec Kasami, moi décidé de voir un petit twist dans la là. Donc, en discussion avec l'équipe marketing, et nous l'avons édition Manioc. Donc, c'est là que nous y est. Voilà. Et compétition, ça, fait à sous deux étapes. Et les fêtes, nos étapes. La première étape, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, les live cooking. Oui. Parlez-nous de ça, non, Annick. Ok, donc, première étape, là, il faut préparer une recette, on prend une photo. Ingrédients clés à Jean-Stéphane Souti, là, c'est manioc. On prend une photo, plat, et sort préparé, on poste le soupage Kasami sur Facebook. Avec hashtag. Non, pas un hashtag là-dedans. Nous juste monter sur page Kasamien, qui a tout lien. Ok, sur Facebook, justement. Page Facebook là. Vous choisissez dans quelle catégorie vous voulez entrer. Chef Stéphane Soudi là, chef professionnel, amateur cuisinier. Tant que vous-même. Beaucoup, oui, c'est bon. Je vais mettre le deadline là, privé. Bon, tout challenge. Tout challenge. Non. Tout le bon challenge, je dis là. Karel. Celle ça me connaît, ouais, connaît dans la cuisine. Celle ça me connaît mon café à Manioc, c'est bouillir ou bien manger la cassave, un grand cassave. Et pourtant, au cas font paquet d'autres bagages. Je ça, me connaît ça. Okay. Même pas parler de moi-même comme chef amateur, non, mais, c'est ça me connaît. Donc si me font cassave, où est-ce que vous apprenez? Normalement, mais son recette lié. Mais c'est exactement l'idée, parce que cassave Manioc a tellement de différents application ou je n'ai pas ça ou je n'ai farine ou je n'ai il fait la bouillie avec là fait la bouillie avec ou pas que baio café avec so et nous voulons mettre en valeur un produit qui absolument local et me penser qu'il y a un produit qui super intéressant dans gastronomie haïtienne so tout à fait bien. Je fais photo, je crée ou 7 points. Je fais photo, je poste sur page Kasami sur Facebook. Il y a un ingrédient qui la donne. Ou encourage les amis à faire voter pour. Votre salaire compte pour un tiers. Et puis l'autre deux tiers sont jurés qui ont déterminé qui est-ce qui parle dans la deuxième phase. Combien de monde on prend pour la deuxième phase? Et pour la deuxième phase, on prend 5 chefs et 5 amateurs. On a bien pu présenter le plateau devant le jury encore. On choisit 3 grands finalistes.
qui pourra aller dans le village Gourmand le 28 septembre. Mmh. Et côté bah, intéressant, c'est que de pour son finaliste, on a gagné quand même. Okay. Parce qu'il y a trois finalistes, trois finalistes amateurs, trois finalistes chefs, mmh. et il y a trois primes pour chaque catégorie. Mmh. Donc on a sorti avec un prix ouais, quand même. De pour ça veut dire de vous qualifier. De vous qualifier, on connaît, on a gagné une bataille. Très important. Très important. C'est juste qu'on est, est-ce que on a première place ou deuxième ou troisième. Donc inscription gratuite. Ça veut dire n'importe qui monde qui soit fait manger la caille tout le temps ou a frappé l'estomac ou son gros chef ou bien ou qu'on fait manger. Son cordon bleu à essayer participer dans l'activité. Ça comment ça t'est année passée, nous tourner sur année passée par exemple qui comment expérience santé comment gouvernement moun yo et comment est-ce que on suppose que très satisfait si, si nous recommençons avec lui encore oui et puis nous fait bail moun chance tout pour mm-hmm. exprimer talent mm-hmm. année dernière il était très intéressant mm-hmm. c'était vraiment bien de découvrir de nouveaux talents mm-hmm. côté que c'est pas nous t'ai gain différents chefs mais c'est pas forcément tout chef qui bien connu ou mm-hmm. bien amateur mm-hmm. et dans final village gourmand vraiment moun yo t'ai gain occasion choquer tout talent yo et me pense que c'est une belle expérience c'est pour ça n'a pour prendre année ça ah mm-hmm. non et définitivement et compétition est intéressant d'abord nous t'ai gain trois jeunes et ce qu'on appelle des jeunes cuisiniers qui cap travail sous profession yo donc mm-hmm. c'était des étudiants mm-hmm. qui t'ai présenté et parti amateur là et puis nous t'ai trois jeunes chefs moi c'est moi les jeunes toujours parce que et moins que dit moins que 10 ans dans business parce aux jeunes toujours et on jeune talent Sébastien Dodor et cap font pile belle bagaille cap font pile belle bagaille qui t'ai participé qui t'ai champion l'année dernière mm-hmm. nous t'ai chef Stéphane Gusgus nous t'ai donc des jeunes chefs et vraiment comme Annie dit hein, et que peut-être que des monde qui pas te connaît que là n'importe et c'est une occasion pour te découvrir mm-hmm. et négocier vraiment travail et pour présenter un produit vraiment intéressant c'est donc et, définitivement bah c'est que et m'a souhaité mm-hmm. que encore d'autres jeunes chefs et mettez tête en avant et participer dans compétition ça année ça mm-hmm. parce que non seulement et compétition intéressant mm-hmm. ou gain opportunité pour choquer ce talent ou pas rien pour perdre avec tout à gagner justement avec recette mm-hmm. non goût et saveur qui mm-hmm. c'est plus gros festival mm-hmm. gastronomique en Haïti mm-hmm. mais en plus de ça prime kitchen edio que Kasamia Bayo super super intéressant on va parler de prime une année OK dans catégorie amateur yo en première place n'a bay on double check en passant sur les dans le bon nom oui tout à fait OK yeah. le premier prix c'est pour un Minister Mixer KitchenAid ça c'est mm-hmm. catégorie amateur mm-hmm. deuxième prix c'est pour un toaster oven KitchenAid encore mm-hmm. et en troisième place un hand blender KitchenAid yeah. Catégorie chef professionnel, premier prix a, c'est pour un blender prof et commercial KitchenAid. Mm-hmm. Deuxième prix a, c'est pour un hand blender commercial KitchenAid encore. Mm-hmm. Et troisième prix, un jeu de casserole KitchenAid. Bien, très intéressant. Alors, on va ajouter tout que Anissa, en plus de tourisme manioc, hein, mm-hmm. nous ajoutons l'autre tourisme pour chef. Dans le village gourmand, l'année dernière, il était venu avec Patio tout pareil. Mm-hmm. Année ça, il y a bien 20 minutes, il y a une étape de préparation que vous pouvez faire sur place. Donc, okay. ça veut dire que ce n'est pas public cap là, pas juste venir pour vous, en plat préparé, mais vraiment où est chef à l'action. Ça veut dire qu'il y a plus d'espace pour vous, je suppose. Toujours la cuisine KitchenAid. Et toujours la cuisine KitchenAid, un petit peu plus d'espace. Mm-hmm. Mais ça que moi-même, nous t'ai pensé, et qui était en discussion, nous t'ai pensé faire, c'est mm-hmm. que moi, t'ai voulu voir une vraie compétition. Mm-hmm. So, trois finalistes, et pral. Mettez non seulement talent en action et recette en action mais au bras aussi skills n'ego mm-hmm. ok so you know je pense que c'est une l'autre non compétition comme ça compétition que son compétition recette que son compétition et qui démontre tout les vol talent mm-hmm. et lui permettre vraiment que ou aussi tout travail qu'on fait. Mm-hmm. So et c'est dans l'idée ça que nous devons que l'équipe là devons que trois finalistes mm-hmm. actually compete devant mm-hmm. public là. Mm-hmm. Donc on gagne 800 à 1000 monde cap débarquer dans le village gourmand vendredi 28 là et
ou pral gon public qui paraît pour venir garder une vraie compétition. Tout à fait. Parlez un peu tout parlez-nous de village gourmand rapidement et ça cap gagné ça et bon, pas de village gourmand seulement en fait de bon, Gros Saveur en général. De Gros Saveur en général et nous gain bien sûr et plus de 12 chefs internationaux cap venir année ça. Nous gain des chefs qui a retourné n'ego tellement en Haïti et que et l'ouvre une invitation bah il pas hésité pour dire oui. Bien sûr, on aura plus que 65 exposants et cette année à Village Gourmand. Village Gourmand toujours un hit et pour Goût et Saveur. Équipe Culinary Events, hein, Johan Buto, Jean-Marc Chauvet, moi-même et puis nos partenaires Association Touristique d'Haïti et le Nouveliste vraiment a fait un superbe travail encore pour mener une édition et mémorable. So, on a Village Gourmand le 28. Bon, jeudi d'abord, c'est toujours le lancement avec tous les médias. Tous les médias sont invités à venir et participer et rencontrer les chefs internationaux, rencontrer les chefs locaux, rencontrer les restaurateurs, tout le monde qui est impliqué dans l'événement ça. Et bien sûr, nos partenaires et nos sponsors. Et puis, Kounia, vendredi, au Village Gourmand. Et samedi, nous avons un lunch dans Mupana. Avec trois chefs, chef David qui c'est nouveau chef exécutif et Mupana. Et puis samedi soir dîner with the stars. Comme d'habitude, on a bien sept chefs tête chargée et bien sûr et puis dimanche nous avons deux brunch, nous gagnons brunch Totos et puis nous gagnons brunch Best Western. So, ça c'est en gros et qui j'ai week-end gastronomique, programmation. Tout à fait. Intéressant. Donc, qui date limite, on va parler de ça, que vous gagnez pour poster recette online? Lundi 17 septembre. 11h59. PM. Oui. Voilà. Ça veut dire que vous gagnez jusqu'à lundi. Vous gagnez tant de chance. Sous manque d'inspiration, chicken. Je vais te louer ça, toi. L'année dernière, vous mettez un brownies, qu'on pas de faire. Oui, mais problème, non, c'est pas ça, c'est de temps. Et puis, je parle moi-même. Imaginez moi-même qui peut passer l'étape ça et puis qui arrive dans le goût et saveur. Quand est-ce que c'est même? Ça ne va pas même. Moi-même, je vais challenge tout chef net. Oui, depuis que je vais dans l'étape ça. Moi-même, mon challenge tout chef net. Et Karel. Moi-même, je vais dire la voix. Je ne vais pas participer malheureusement. Bon, oui. Je vais participer moi. On a fait l'ensemble? Oui. donc tu vois Kounia Bala tout bon Kounia Bala devient super intéressant Karel non seulement m'a challenge vous pour voyer recette Paul m'a mando challenge so what listen the point is what to challenge yourself so ou challenge tetou d'abord son challenge de tetou mais yo, have some fun, man. Yes. Yo. On chef, on fait l'autre concours. On fait l'autre concours. OK. Ah non, m'a participé oui. M'a participé. Amateur qui gagne, hein? Amateur qui finaliste là. Et qui gagne dans Goût et Saveur là, il gon one on one classe. Mais ça pour faire année prochaine, n'a parlé de vous qu'a toujours fait concours ça pour justement monde qui plus ou moins sérieux. Font concours Kassami travaille avec plusieurs et artistes et l'autre bail. Font concours entre monde ça aussi, Joe Isolant, moi-même. Mon cher, c'est pas bon. C'est pas mauvaise idée ça. Et font concours. Ça m'a participé la donne. Ça belle lui. Ça sont belles, son belle. Année prochaine. OK, année prochaine n'a fait pour des monde qui connaît, pour des personnages publics. Celebrity challenge. Yes. Celebrity cook. Ouais, ça lui m'a participé. Parce que c'est pas moi seulement qui parle rire, comprendre. C'est pas m'pa gen problème mourir depuis m'pa mourir pour compte moi. Mais ou les moun rire depuis m'pa pour pour compte. Année prochaine m'a besoin pour compétition là. Ça intéressant. I love it. Yeah, let's do it. I love it. Année prochaine n'afèl. Mais n'afèl comme si avant même qu'on rentre non. Vous avez passé, nous pas commencer, n'a pas entamer projet ça. Bonheur
même avant. Mais ça pour faire tout c'est que faut ou même ou bien deux trois l'autre chef qui peut être paré pour ça, tu es capable ban nous deux trois petits coups là à l'avance. Comment on crash course avec nous des petits bails tout deux semaines. You know what? On comprend gagne qui pas lui mais fou men. You know what? Tout lancer la voix. Tout lancer la voix pour l'année prochaine. Nous et on connaît que moi gon cooking class qui est sip and cook. Voilà. Que moi fait pour voilà, me connaît. Ça veut dire on va inviter tout le monde qui so moi je veux faire une avec toutes ces célébrités ça. Pour nous faire classe ensemble. Yeah, et puis qu'on y a parti de classe là, nous on dans la compétition. Moi mais ça net. Et nous sommes partis. OK, gain et l'air acoustique qui dit à la batte dans ça. Et ben nous pas louer ça frère. Et de avoir challenge là. C'est pas the free accord dog nos amis. Tout doux ça. En tout cas, m'invite vraiment tout amateur cuisinier, tout amoureux de la cuisine et vraiment participer même. It's fun et ou pas gagner rien pour perdre. Et parce que et opportunité non seulement pour une belle et piece of equipment qui tient aide et qui se débat de vraiment de high quality la caillou bien intéressant déjà et puis en plus de ça ou gen opportunité pour participer dans il pas coûte rien il est gratis village gourmand et ou gen opportunité pour non seulement finaliste mais participer dans village gourmand qui c'est un cook and chain événement gastronomique et chaque septembre sur 8e édition so, yo et bah ouais pour qui ça pour pas challenge tête ok comme on dit que Timosa les moins Timosa va faire manger une pince à ok me dit ça déjà Timosa va bouillir de l'eau bon ouais moi dit le challenge Timosa Timosa va bouillir de l'eau carrel Timosa son seul bail il compte faire ses graphismes ok d'après les vidéos Coco a lancé pour des chefs professionnels et des amateurs et cordon bleu participer font recette à base de manioc poster photo avec recette là sous page Kasami sous Facebook jusqu'au 17 jusqu'à lundi et minuit pratiquement et puis rete tann et résultat yo et puis ou pral aller dans l'autre étape qui pral menon vers et goût et saveur qu'a fait le 28 septembre dans Caraïbe. Absolutely. Ça c'est merci de content et fait tu parler avec nous et puis l'année m'm commencer parler papa. Carrel nous pas nous nous parti. Nous parti. Ou pas comprendre nèg yo mélan avec là. Ma pwè si ti Joe aussi fort que le remet parler. N'ego pas gagne temps pour faire manger. N'ego pas gagne pour faire manger. Son m'a la prendre. Et puis that's it. En tout cas, toute l'école culinaire. Mais faut pas d'abord nous comme si on ingrédient. Faut qu'il y ait un freestyle. Bralbot. C'est freestyle. Comment bralbot mon ingrédient et puis me fait commencer. Non, bralbot technique de base d'abord. Bralbot technique de base. Ou a fait sip and cook là. N'a pas participé dans sip and cook là. Et puis n'a fait. Et puis n'a quitté nous. That's it. Mais n'a quitté nous créer. Mais c'est la gueule. On connaît que très focus sur tout ce qui est local. Oui. So, il faut que le local. Oui. On définit les conditions après, mais make sure que prime dans correct, comme dans Kasami travaille avec un pile moi et artiste yo, nous gon groupe déjà qui t'a ca parer pour participer. Et ben voilà. Et puis qu'on y a d'accord la base de l'autre monde la donne. This is going to be really fun. Mais qu'on s'attaque à faire, t'as qu'à bon qu'on fait. On groupe filles, on groupe garçons. Mais problème. Non, mesdames, y'ont coup entre eux. Les Richel, les Fatima, les Darlene Descartes, les Blaise Blaise. Et puis monsieur, pour contre eux. C'est la salle cool. This is going to be fun. Let's do it. I like that. Ok. I like that. Chocare là dans le logo en Léa. Merci. Toujours songer ça. All right. Femme Jérémy Zissa. Thank you. Encore thank you man et vraiment ton support continue pour Gwe Saveur la caille. Sans problème. 8e édition est beaucoup apprécié et Radio One number one radio in Haiti. Thank you. Allez, sans problème. OK. Je dis pas faire bon manger rasta.
Ital food. Oh yeah. Dégage. Voilà, c'était Annick avec Chef Stéphane qui est avec nous, qui t'a parlé de grand concours de cuisine ça qui a fait pour deuxième année pour des chefs professionnels et amateurs à participer, juste faire une recette à base de manioc, poster sur page Kasami sur Facebook et puis tant de résultats et pour capable gagner chance, gagner un pile prime de pour qualifier pour goûter saveur la chance gagner prime et puis son belle expérience. Et puis nous avons annoncé l'année prochaine m'a participé avec un pilote et célébrité encore. Nous d'accord ça? Absolument. All right. Thank you. Bonne journée. Thank you. All right. Good.